de Tabo. Tabo vle. Vous êtes merveilleux. Amuti naure amwe fe. Vous êtes formidable. Naure amuti ba. Vous prouvez réellement que c'est Dieu. Naure ankrae satne manyamie. Qui tient cette ville, votre vie dans sa main. Ya unka blanwa fe amugwa isanu. Vous voyez, Dieu a un temps pour toutes choses. Chaque chose a son temps. Dieu a fixé ce temps, ce moment. Pour que nous soyons ici dans votre vie de table. Et Dieu sait pourquoi il a fait cela. Donc, où que tu sois, partout où tu es, que tu entends ma voix, Dieu a envoyé des personnes pour toi. Donc c'est ton temps, c'est ton moment. Et tu dois tout faire pour ne pas rater ce temps que tu as. Dieu veut te rencontrer. Dieu tend sa main sur ta vie. Et Dieu va compris quelque chose pour toi. Il veut te libérer. Il veut te sauver. Il veut changer ta destinée. C'est pourquoi il a envoyé des gens d'un peu partout. Depuis Abidjan. Abidjalo. Grand Laou. Grand Laou là. Tia Salé. Tia Salé nous. Yamou Soukro. Yamou Soukro en carré là. Et partout et nous sommes là. Parce que Dieu nous a envoyé. Parce que Dieu nous a envoyé. Et il est là. Il est là pour toi. Donc toi qui m'entends de loin. Cours maintenant, cours maintenant. C'est one day. Ce moment est pour toi. Blanc et toi. Comme vous avez entendu hier, Dieu, par son messager, nous a donné sa parole. Parce que Dieu nous aime. Il a dit que, voilà, il a donné un seul nom. Par ce nom-là, l'homme soit sauvé. Dans le ciel et sous la terre, il n'y a point d'autre nom. Un seul nom a été donné par lequel l'homme soit sauvé, l'homme soit libéré. Ce nom-là, ce nom-là, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est celui qui guérit. Il est celui qui arrache des mains du diable. Celui qui ressuscite des morts. Si tu n'as pas d'espoir, Jésus est celui qui te donne espoir. Jésus est là. Il est là ce soir. J'ai dit, il est là ce soir. Acclamez. Oh, alléluia. Amen. Là ce soir. Mais ce il sera là avec toi. Il y en a pour toujours. Black nous. Ce soir. Ndosoye. Le message que nous voulons partager avec vous concerne une seule personne. Et cette personne, comme je vous l'annonce, s'appelle Jésus. Un jour, Jésus-Christ, de son passage, de son ministère, des gens lui ont posé beaucoup de questions. Juste pour savoir qui était cet homme. Christ voulant montrer son identité à ces personnes. Puisque la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous
ceux qui croient. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce soir, si tu crois, tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, amen. Si tu crois, tu verras la gloire de ton Créateur. Et cela, selon les écrits de Jean, Luc, il dit, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils de l'homme, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, ou bien si donc le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Ya Seigneur mi wai o kamui amuyo amunya foli la klonglo. Quand Jésus sauve, il a sauvé. Ya que Jésus quand tes soku wade. Quand il te prend, il t'a pris. Quand Jésus quand fa wafo. Et rien et personne ne peut te ravir de sa main. Ni que fi ande son frère o klate mo isanu. Parce que c'est lui qui est le créateur. Afiye ti defwenyo. Il est le maître de ta vie. Et la parole de Dieu déclare qu'il nous a créé à son image. Selon sa ressemblance. Dieu a mis, son caractère en toi. Dieu a mis son caractère en toi. Alléluia. Amen. Amen. Il t'a pas créé à l'image d'un animal. Non, le wa créé moi, wa bon moke nesa. Il n'a pas mis un caractère d'un animal en toi. Ya wa fama nenzwe wa fasionu. Mais il a mis en toi son souffle. C'est quoi? On fait pas un coin, on fait un oui. L'esprit de Dieu est en toi. Ya mi wa wei on oui. Afin que tu puisses faire sa volonté. Koko ena akla ye kunko santi. Connaître l'existence de ce Dieu-là. Mais si un être humain dans ce monde dit que, ou bien ne reconnaît pas l'existence de Dieu, la Bible dit qu'il est insensé. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu soit loué. De ce que le peuple, la population de Tabo connaissent le Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc lorsque l'homme a péché, depuis le début, Dieu a trouvé une solution. J'enverrai quelqu'un, le Fils de l'homme, qui va venir au temps prévu pour libérer l'homme de l'esclavage. Donc au temps prévu, au temps convenu, c'est là Jésus est venu. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est venu pour nous sauver. Jésus a barrié de l'air. Mais quand il est venu dans le monde, quand Jésus barrié de l'air, le monde ne l'a pas reçu. Mais il est venu dans sa propre famille. Ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas reçu. Alléluia. Amen, amen. Mais il a étendu la main. C'est quoi? Dieu a étendu la grâce. Il a lancé l'appel. Et à tous ceux qui ont entendu la voix de leur créateur, la voix de leur sauveur, ceux-là qui l'ont reçu là, ceux-là qui ont cru en lui, il a l'autorité et le pouvoir. Et la Bible dit ici que pour ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir
enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, quelle que soit ta situation, quelle que soit la famille dont tu es issu, quel que soit ce que tu es, le niveau que tu es aujourd'hui, quelle que soit ta vie aujourd'hui, ton Dieu est capable. Amen. Amen, amen. Bon, Dieu, Jésus. Quoi, ton Dieu est capable. C'est quand on y est, on est timé. Le Seigneur qui nous a envoyé ici là veut changer ta destinée. Alléluia. Amen. Donc il dit, si donc le Fils de l'homme te libère, et moi, Seigneur, tu es totalement libéré. Tu es complètement libéré. Mais c'est à cela qu'il a dit que vous allez connaître la vérité. Amen. Amen, amen. Vous allez connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est le seul sauveur. Jésus est le seul Seigneur. Jésus est le seul qui aime. Jésus est celui qui t'aime encore. Jésus est le à l'instant même il t'aime. Jésus est le Jésus est. Donc Dieu ne veut pas te voir dans ta souffrance. C'est pourquoi Christ est venu se sacrifier à la croix pour toi. Afin que quiconque croit soit libéré. Alléluia. Amen, amen. Quiconque croit soit sauvé. C'est la parole de l'Éternel. Il a dit que je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et nul ne va au Père que par moi. C'est lui que Dieu a donné. Afin que par lui, tu sois sauvé. Tes fardeaux tombent. Le fardeau que le diable a mis sur toi. Le fardeau que le Satan a mis sur toi. Celui qui vient enlever. C'est Jésus. Que tu ne peux pas t'en sortir. Il sortit à clasher nous vitement. Il faut quelqu'un qui est plus fort que lui. Afin que son amour n'aura on le timide et il craffole. Afin de le tenter. Quoi qu'on ne va croire. Et te libérer de sa main. Ne va folie ne va sauver nous. Et Dieu t'a donné cette personne là. Y a une manière de sauver. Et si tu invoques son nom. Y a ça pour tout mal. Tu seras sauvé. N'aura aigne folie. Le règne de Dieu est descendu dans ta maison. Naoule Jésus croyait wa jowarolo. La vie de Dieu est descendue dans ta maison. Yenyamien goin wa jowarolo. Ta situation change. Owa fanga mo ti osuke jisei. J'ai dit ta situation change. Osuke yo fanga ti osuke jisei. Ta situation change. Owa fanga ti osuke jisei. Pendant que tu m'écoutes, au moment que tu m'écoutes, que tu entends la parole, la parole te pénètre. La parole te pénètre. Le Seigneur te pénètre. Jésus-Christ et il agit en toi déjà. Il agit déjà en toi. Vous avez entendu que Jésus-Christ peut vous sauver. Il peut vous libérer. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quel que soit le fardeau que vous avez. Et ce soir là, nous allons prier pour vous. Nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y a une puissance, il y a un pouvoir, quelle que soit la maladie, quelle que soit le fardeau, quelle que soit la main du diable, quelle que soit la maladie,
suis là, parce que je suis là, que je suis là. C'est merveilleux. Il faut dire que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Il faut dire que malgré le temps, ce que Dieu a prévu faire, il a fait même au-delà de ce que nous attendions. Donc on lui dit merci pour sa fidélité. C'est pour d'abord rendre grâce à Dieu pour cette grande porte qu'il ouvre pour son Église. Et leur dit que vraiment Dieu fait des merveilles. Voilà, le Seigneur veut conduire encore son Église vraiment à une autre dimension. Voilà, pour faire glorifier son nom. Tout d'abord, je voudrais bénir le nom du Seigneur. Mais il faut dire que nous avons la ferme assurance que ce que nos yeux ont vu, le Seigneur a déjà commencé son travail. Et certainement, les hommes ont commencé à être libérés. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que il faut dire que la ville de Tabo est grande, mais notre église, l'Épicie, n'a pas pu vraiment s'implanter. Voilà, mais à cette occasion, je vois que l'œuvre du Seigneur a vraiment pris un bon élan. Certainement, nous aurons désormais notre chère église ici, l'Épicie. Donc vraiment, c'est une chose qui a marqué beaucoup mon esprit et ça a laissé une grande joie dans ma vie. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. APC TV, la chaîne du réveil.